bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un hors-série qui concerne les séries que je suis. Et on va s'intéresser cette fois-ci aux séries médicales, slash pompiers, slash armées, slash policiers. Comme d'habitude, je vais vous citer en premier lieu toutes celles que j'ai regardées ou que je suis encore actuellement. Et je vais vous en détailler cette fois-ci trois, dont y en a deux qui sont genre mondialement connus, je crois, qui sont que je regarderai toujours, je crois. En premier lieu, donc, il y a Grey's Anatomy, que je vais vous détailler, que tout le monde connaît, SWAT et Esprit Criminel, parce que c'est avec un acteur qui joue dans les deux, Urgence, qui est une vieille série médicale que je suivais un peu avec ma mère quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas regardé tous les épisodes. Actuellement, je suis Chicago Med, qui est diffusé en général juste après Grey's Anatomy. American Wives, j'ai regardé aussi, ça concerne les femmes de soldats dans l'armée américaine. Doctor House, je crois que j'ai regardé toutes les saisons. Une série qui a été arrêtée malheureusement, qui est Forever. J'adorais cet acteur en plus. J'essaierai de vous insérer une petite photo ici, alors oui, parce que j'ai eu un petit commentaire qui me faisait remarquer que c'est vrai que dans ma précédente vidéo sur les séries, je n'avais pas inclus de photos. Et c'est vrai que ça manque un petit peu au niveau du montage, voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir quelques photos à mettre. Donc je ferai attention cette fois-ci. Ensuite, Mentalist, j'ai adoré suivre Patrick Jane dans ses enquêtes. Je suis pas certaine d'avoir vu les derniers épisodes, mais bon, je vais certainement y remédier, pardon. C'est la troisième vidéo que je tourne, donc excusez-moi si je bafouille plus que d'habitude. Ensuite, une autre série que je vais vous détailler par la suite, il s'agit de New York Unité Spéciale, qui passe sur TF1 depuis de nombreuses années aussi, que je regarde depuis que j'étais ado, enfin à la fin de mon adolescence, je crois que j'ai commencé à regarder. Je crois que je me penche d'ailleurs sur la question à partir de quand elle a été diffusée sur TF1, parce que dans mes souvenirs, ça fait hyper longtemps que je regarde en fait. Au plus de 10 ans, ça c'est sûr. Night Shift, je crois qu'il y a eu deux ou trois saisons, qui était aussi une série médicale avec une partie qui concernait l'armée, et c'était vraiment dommage parce que j'avais vraiment vachement accroché à cette série. Il y avait notamment Brendan, je crois, un acteur que j'avais découvert dans Roswell il y a des années de ça, sur la 6 dans la trilogie du samedi soir, n'est-ce pas, pour ceux à qui ça parle. J'ai vraiment beaucoup aimé cet acteur, enfin ce rôle qu'il a joué dans Night Shift, car il jouait un médecin gay et dans l'armée, donc il y avait beaucoup de choses compliquées pour lui. Enfin, le personnage était très intéressant en fait, de montrer qu'un homme dans l'armée américaine qui était gay, c'était un peu compliqué quoi. C'est un côté qui m'a bien plu, donc même si on suivait d'autres personnages aussi. Bref, une autre série que j'ai commencé à regarder sur TF1 qui est Good Doctor, mais j'ai pas suivi, en fait j'ai décroché un petit peu, donc je sais pas trop si vous en avez pensé du bien, en tout cas pour la première saison. Bones également, que j'ai suivi sur la 6, David Boreanaz, on en parle ou pas, hein? Depuis Buffy, c'est un petit peu un chouchou qui est dans mon cœur. Nurse Jackie aussi, je connais cette série. J'ai suivi quelques épisodes avec ma mère. Enfin, j'ai pas suivi vraiment beaucoup, mais je me rappelle bien. C'est un peu à classer avec Dr. House, je trouve. Parce que bon, là, elle est infirmière, mais elle est accro au médoc, en fait. Donc, je trouve ça super intéressant. Et enfin, la dernière série dont je vais vous parler au plus en détail, c'est 911, donc 911, qui passe sur la 6 en ce moment, que j'adore. Alors, on va commencer avec la big série de la vidéo, qui est Grey's Anatomy. Clairement, on est d'accord, hein, pour les fans, je pense que je pourrais parler de cette série, mais des heures entières. Je pourrais en parler dans plusieurs vidéos, je pourrais détailler chaque personnage et dire ce que je pense de chaque personnage dans une vidéo dédiée spécialement au personnage, mais bon, c'est pas le but. À la base, pour ceux qui ne connaîtraient pas Grey's Anatomy et qui auraient vécu dans une grotte ces 15 dernières années,
faire pas loin, je crois. On suit à la base des nouveaux internes en médecine qui sont Meredith, George, Christina, Alex et Izzy. Ça, ce sont nos 5 acolytes de base. Sachant que là, je crois qu'on est, je sais plus le numéro de la saison, je crois que c'est la saison 15, je sais plus en ce moment. Sur les 5 de base, il y en a plus que 2. Alors voilà, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis de la série, il y en a qui, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il y en a que 2 qui sont restés. Et en plus, parmi les 5, c'était pas forcément mes préférés. Donc de base, moi je regarde les anatomies pas du tout pour Meredith. Parce que bon, c'est quand même à la base la série qui porte son nom, hein, Grey's Anatomy, donc l'anatomie de Grey. Sachant qu'elle est la fille d'un brillant chirurgien, d'une brillante chirurgienne, je sais pas comment on dit d'ailleurs, chirurgienne, qui est Elise Grey. Et elle porte un petit peu le poids de son nom. Et on va la voir évoluer pardon, au fil des années avec ses copains en gros. Pour faire simple, il se passe énormément de drames dans cette série, donc je vous récapitule parmi celles dont je me rappelle, hein, notamment une bombe qui va exploser dans l'hôpital, un tueur fou, un accident de ferry, accident de voiture, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, je sais pas si j'en oubliais, problème électrique aussi, ambulance qui se retourne, enfin voilà. Il y a énormément de trucs qui vont se passer pendant toutes les saisons. On va beaucoup chialer. Enfin, moi, j'ai beaucoup chialé dans cette série. Quasiment à chaque épisode. Moins dernièrement, je trouve que ces dernières saisons sont un peu plus soft sur les drames. Parce que pendant un moment, c'était même limite un peu abusé. Hein. Il leur arrivait tous les malheurs du monde, quoi. Ils ont vécu des trucs de dingue, quoi. Des trucs de fou. J'ai un petit commentaire à faire concernant Meredith pour ceux à qui ça parle. Je sais pas si des fois vous regardez les anciens épisodes, mais il y a une fois où Derek a failli mourir et où elle a chialé sa race, mais grave, enfin elle en pouvait plus, quoi, tellement elle pensait qu'il était mort. Et quand il est vraiment mort, oh, gros spoil, Derek est mort. Ouais, normalement tout le monde le sait, hein, voilà. Au moment où Derek est réellement mort, donc il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à là où est-ce qu'on est en ce moment. Et elle a pas versé une larme. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Donc déjà, j'ai du mal. J'accroche moyen avec l'actrice. Je trouve que depuis la mort de Derek, elle est devenue un peu trop mièvre. Elle est un peu trop un petit peu trop. Elle a tout le temps le smile. C'est bizarre en fait. C'est la façon dont elle a évolué son personnage. C'est pas plus mal parce qu'on peut découvrir les autres personnages plus en profondeur. Mais j'ai pas compris ce choix de faire que Meredith soit plus joyeuse alors qu'elle a perdu l'amour de sa vie. J'ai pas compris. Donc si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet, si vous pensez la même chose que moi, dites-le moi en commentaire. Les épisodes les plus marquants forcément sont les épisodes où il va se passer énormément de trucs, enfin des trucs de fou, hein. Donc pour moi les plus marquants, c'est le tueur fou qui débarque dans l'hôpital parce qu'il veut trouver le chef Weber. Enfin il veut trouver le chef, peut-être pas Weber à la base, mais il veut trouver le chef de l'hôpital. Et c'est lui qui va tirer sur Derek, hein, donc c'est une des fois où Derek a failli mourir. Notamment la scène aussi où il tue Reed et que April glisse dans le sang de sa copine et qu'elle est complètement... je trouve qu'elle joue hyper bien cette actrice, je l'adore. Le crash de l'avion, hein, aussi forcément c'est hyper marquant parce que ça va durer plusieurs saisons, il s'est passé beaucoup de choses, Arizona va perdre sa jambe. Il y en a qui vont être traumatisés à vie, il y en a 2 qui vont mourir et qui étaient mes personnages préférés, hein. Rest in peace, Mark Sloan et Lexi Gray, n'est-ce pas? Donc pour vous dire mes personnages préférés, Christina, Lexi, Mark Sloan, Kali, Arizona, April, Hunt, Owen, et oui, ils sont quasiment tous partis sauf Hunt, en gros. Donc Christina, elle s'est barrée dans un autre hôpital. Donc de temps en temps, on nous fait croire qu'elle a des échanges avec Meredith. On la voit plus parce qu'elle est plus dans la série. Lexi, morte. Mark, mort. Kali, déménagée. Arizona, déménagée. Donc elles sont encore censées être en vie dans la série, mais on les voit plus. April, pareil, elle est partie. Et il reste Cohen. Entre autres, hein, parce que voilà, après, George, c'était pas mon préféré, mais j'aimais bien son personnage, ils l'ont tué. Izzy, elle est barrée, on sait pas où, elle peut donner signe de vie du jour au lendemain, mais voilà, pourquoi pas la faire revenir dans l'ultime saison, pourquoi ça foutrait bien la merde. Après, ce que j'ai aimé dans
Dans les saisons récentes, ce que j'ai mis dans les saisons récentes, c'est un peu compliqué hein, parce que moi j'étais une fervente adepte de Cali et Arizona, donc j'étais très triste quand ils ont décidé de ne plus faire partie de la série. J'étais aussi une grande fan du couple Jackson April. Alors maintenant on nous a foutu Jackson avec la demi-sœur de Meredith. J'accroche pas du tout à leur couple, je trouve qu'ils n'ont aucune alchimie ensemble, je sais pas. Si vous pensez la même chose que moi, mais j'accroche pas au couple Jackson-Maggie. Pas du tout, je n'y crois pas une seconde. J'accrochais bien au couple Hunt, au couple Owen-Amelia, donc Amelia qui est la petite sœur de Derek, une de ses sœurs. Mais là, on a décidé de plus les laisser ensemble. Mais par contre, est-ce qu'on en parle de Link, le nouveau? Est-ce qu'on en parle? Le mec, la figure du mec américain, quoi. J'espère que je vais pas trop m'étendre sur Grey's Anatomy parce qu'on va passer 50 pompiers. Bon bref, j'avais découvert cet acteur dans Nashville, une autre série musicale que je suis, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Où il joue, bon, il chante, enfin, en plus il chante divinement bien, ce qui ne gâche en rien le plaisir de le regarder, n'est-ce pas? Et voilà, il est un petit peu le beau gosse, un petit peu parfait, il a survécu à beaucoup de drames, enfin, il a eu un cancer, un truc de ouf quand il était enfant, enfin, dans la série, dans Grey's Anatomy, hein, bien sûr. Bon bref, je pourrais m'étendre encore 50 ans là-dessus. J'aime bien la façon dont Alex a évolué, son personnage est devenu hyper intéressant. Je trouve qu'il a gagné en profondeur par rapport aux premières saisons, c'est incroyable. Meredith, bon, j'ai pas trop aimé comment ils l'ont fait évoluer. Bailey, pour moi, ça reste aussi du top niveau. Enfin, cette femme, elle a un caractère de ouf. Après, ouais, voilà, ce qui se passe dans les derniers trucs, je sais pas. Moi, j'ai toujours préféré Owen. Dès qu'il est arrivé, je l'ai trop kiffé. Enfin, je sais pas, il a un truc, il est torturé. Je le trouve beau. Enfin, je le trouve attirant, en fait. Je le trouve. J'ai jamais trouvé Docteur Namour spécialement beau. Enfin, si, on va pas dire qu'il est moche, attention, mais il est beau, mais j'ai jamais eu l'effet waouh par rapport à Sloane, ou par rapport à Jackson, ou par rapport à Owen, ou par rapport à Link. Voilà, hein, on est d'accord. Mon épisode préféré de Grey's Anatomy, alors n'en déplaise aux fans, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste cet épisode, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'apprécie, mais moi j'adore cet épisode. C'est l'épisode chanté. Alors je ne sais pas si ça vous parle, j'essaierai de vous mettre la référence si je la retrouve exacte de l'épisode, mais c'est en gros, ça se passe juste après l'accident de voiture d'Arizona et de Cali. Donc elles sont parties, donc Cali était enceinte, Arizona conduisait, et elles ont eu un très très grave accident de voiture. Cali est passée. Elle n'avait pas sa ceinture parce qu'elle venait de la détacher pour choper son portable et appeler Marc, je crois, un truc comme ça. Et en gros, elle est passée à travers le pare-brise. Alors qu'elle est enceinte de 5 mois. Ou 6 mois, je ne sais plus. Donc le truc hyper marquant, je trouve qu'elle joue aussi divinement bien, cette actrice, Sarah Ramirez, qui d'ailleurs chante dans cet épisode, parce que c'est quasiment elle qui chante toutes les chansons. Elle a une voix à foutre les frissons. Grâce à ça, j'ai découvert une chanteuse que je ne connaissais pas, qui est Brandi Carlile, qui chante The Story, justement, dans cet épisode. Je trouve que c'est la chanson la plus marquante de l'épisode. Voilà. Rien qu'en parler, je sens l'émotion monter. Bref, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que, justement, voilà, il est chanté, il y a tout. C'est particulier, voilà, l'ambiance, elle est particulière. Je sais, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'ai vraiment adoré. J'ai découvert pas mal, enfin, il y a des chansons que je connaissais, mais dont une que je connaissais, The Story, je crois que je l'avais déjà entendue vite fait, mais je sens plus en plus. Parce qu'on a des chansons qu'on avait aussi beaucoup entendues dans les saisons précédentes, pardon, de Grey's Anatomy. Donc je vous mettrai en référence un lien pour aller découvrir l'artiste, donc Brandi Carlile, que je trouve, voilà, c'est un peu country. Je sais pas trop décrire le style, mais j'adore ce qu'elle fait. Une voix, l'actrice de basse qui chante ça, elle est vraiment super. La chanteuse de basse, pardon, qui chante ça, elle est vraiment super. Je vais passer tout de suite à une autre série, sinon je pourrais m'étendre 15 000 ans sur Grey's Anatomy. Bon, pour vous dire, voilà, j'adore, 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 j'adore. Je crois quand même que mes préférées restent de toutes Lexi et Kali, je crois, pour ma part. Ensuite, je vais passer à la série New York, une idée spéciale. Donc, je vous insère une petite photo juste ici. Pour ceux à qui ça parle, c'est
Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Voilà, c'est la musique, ça commence comme ça à chaque fois. Après, il y a la scène d'ouverture où on découvre des acteurs lambda, enfin une scène de la vie courante, et il va se passer un drame d'où va découler un meurtre ou un viol, très souvent un viol parce que c'est des crimes sexuels. Et à partir de là, il va y avoir une enquête donc avec l'inspecteur Olivia Benson. Dans les premières saisons, il y a l'inspecteur Stabler. Donc, ils forment un duo de choc au sein de cette équipe d'unité spéciale. Les histoires sont plus folles les unes que les autres. Il y a une tension, dans beaucoup d'épisodes, il y a une certaine tension. Et les personnages évoluent aussi pas mal. Dans les saisons récentes, il n'y a plus Stabler, il n'y est plus. Hein. Mais il a pas mal évolué quand même depuis les premiers épisodes, sachant qu'il était très... C'était le stéréotype même du machiste, hein, quand même. Enfin, le mec, la femme à la cuisine qui fait des enfants, il est contre l'avortement, il est très croyant. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans le personnage qui m'ont fait tiquer au départ, mais il évolue quand même assez bien dans ce truc. Donc, Olivia Benson, jouée par Mariska Hargitay, qui est une actrice, mais super quoi. Ces deux acteurs quand même sont emblématiques et sont très différents parce que ils n'ont pas du tout la même vision des choses et en fait ils sont vachement complémentaires dans la série parce que bah, voilà, ils vont s'apporter constamment à l'un et à l'autre. Il ne va jamais y avoir de tension sexuelle entre eux et j'ai trouvé ça super intéressant pour une fois qu'à chaque fois on n'est pas obligé de les mettre tous en couple quoi. Voilà, enfin, il y a eu un moment quand même c'était un petit peu tendu, enfin, la femme de Stabler elle était un peu jalouse. Je sais pas vraiment s'il y a eu jamais un flirt ou quoi, mais en tout cas on sait qu'ils étaient très très liés. Même si on aurait peut-être voulu qu'ils se mettent ensemble à un moment donné. Mais au final je trouve ça super intéressant de ne pas l'avoir fait, de ne pas être tombé dans ce cliché des coéquipiers qui se mettent en couple parce qu'ils travaillent ensemble. Voilà, j'ai bien aimé ça. Encore une fois, il y a énormément d'épisodes marquants. Dans les plus récents, ceux qui m'ont vraiment bien marqué, c'est y a un épisode où Olivia elle va s'infiltrer dans une prison afin de découvrir des choses, elle va subir des violences et tout, enfin c'est hyper dur. Et un épisode aussi où elle est un peu séquestrée, enfin elle se fait kidnapper par un psychopathe, un violeur quoi, et on sent une réelle tension, on se dit putain mais il va lui arriver quoi, qu'est-ce qu'ils vont lui faire subir quoi, c'est vraiment atroce. Son personnage est également très intéressant dans le sens où cette femme qui est inspecteur de police, qui évolue jusqu'à temps qu'elle devienne chef donc de l'unité spéciale, c'est l'enfant d'un viol. Donc ça pendant longtemps, on ne le sait pas, les premières saisons, c'est un petit peu, il y a un mystère qui plane sur son enfance à Olivia, sur ce qu'elle a vécu, et ça la rend vachement intéressante. Et on découvre au fur et à mesure de son histoire en fait comment elle est, et cet épisode était très bouleversant aussi, où on nous dit clairement voilà, que Olivia est le fruit d'un viol et elle se bat maintenant contre les violeurs. Voilà, c'est un truc, elle doit vivre avec ça, enfin, c'est hyper compliqué et hyper intéressant. Si vous connaissez cette série et que vous appréciez autant que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais passer à la dernière série en essayant d'accélérer un petit peu parce que je sais que j'ai beaucoup parlé pour les deux premières. La dernière série, ça va être un peu plus rapide parce qu'il n'y a eu que deux saisons pour l'instant. Elle est toujours en cours. Il s'agit de 911, donc qui est diffusée sur M6. On suit la vie des pompiers à travers leurs interventions, à travers aussi une opératrice du 911. Voilà, donc l'épisode commence souvent par 911, quelle est votre urgence? Donc il y a des victimes qui disent voilà, ben, j'ai un accident de voiture à tel endroit, venez me chercher, machin. Donc on suit ces pompiers et aussi en parallèle de ça on suit la police à travers une seule femme je crois pour l'instant. Dans la saison 1 il y avait l'actrice Connie Britton qui a joué dans Nashville également avec l'acteur qui a joué Link dans Grey's Anatomy. Donc c'est assez rigolo de voir les différents types de séries qu'ils peuvent faire. Elle était opératrice 911, Connie Britton, ils l'ont fait sortir avec une femme d'un certain âge déjà, qui approchait la cinquantaine. Ils l'ont fait sortir avec un garçon, un homme, un jeune de 25 piges quoi, en gros.
Et j'ai trouvé ça très, super intéressant. Mais bon, j'ai découvert qu'elle n'était plus dans la série. Et j'ai un petit peu déçue. Mais dans la saison 2, on nous a mis Jennifer Love Hewitt, alias Melinda Gordon de Ghost Whisperer, pour ceux à qui ça parle. J'aime beaucoup cette actrice qui a aussi joué dans La Vie à 5, je crois, que j'adore. Dont je vous reparlerai, enfin je reparlerai de Ghost Whisperer dans une prochaine... dans un prochain détail de série. Bref, donc Jennifer Love Hewitt, Peter Krause qui est le chef des pompiers, joué par... Peter Krause qui est l'acteur qui joue Bobby, le chef des pompiers. Athena qui est la policière, jouée par Angela Bassett. Donc j'essaierai de vous mettre comme d'habitude les photos ici, que je trouve excellentes. Et Oliver Stack qui joue le rôle de Buck, donc le jeune qui débarque dans la première saison en tant que bleu, hein, dans les pompiers. Bon, au début, il fait vraiment des trucs de fou, genre il pense qu'au sexe. Et il prend carrément le camion de pompier pour aller sur ton dernier immeuble pour se faire plaisir avec une nana. C'est un peu cliché parce que c'est pas dans la réalité, je pense pas du tout que ce soit possible. Mais voilà, j'ai bien aimé. On découvre souvent deux grosses situations qui sont un petit peu plus détaillées au niveau de leur intervention. Je trouve ça intéressant. Et tous les personnages, en fait, ont une profondeur qui est aussi très intéressante. Donc, il y a... le chef des pompiers qui a perdu sa famille, on le sait très rapidement. On sent qu'il arrivait un truc chelou, qui a été alcoolique, enfin qui l'est toujours et qui se bat toujours contre ça. On a une femme pompier qui est noire et qui est lesbienne. Donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce qu'on en voit, on voit plus rarement des femmes, je trouve, dans ces milieux. Dans ces milieux très difficiles. On suit une femme non policière qui est Athena, qui elle a un mari qui a fait son coming out alors qu'elle a eu des enfants avec. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. On a l'opératrice du 911 au début, je sais plus comment elle s'appelle, qui est sa maman qui a la maladie d'Alzheimer. Voilà, on a quand même des personnages hyper profonds et des trucs qui leur arrivent, voilà, c'est très prenant. Il y a beaucoup de moments quand même émouvants, surtout la première saison, j'ai beaucoup pleuré. J'adore, c'est une série à laquelle j'ai accroché de suite. Pour ça change des séries médicales ou des séries avocats, policiers, là on suit quand même plus les pompiers que les policiers. J'espère qu'elle va continuer encore longtemps cette série parce que je la trouve très intéressante. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'il y a déjà de quoi faire. D'accord. Dites-moi en commentaire si vous connaissez celle que je vous ai détaillée ou si vous suivez les autres que je vous ai citées au début de la vidéo. Je vous attends en commentaire, je vous dis à très bientôt. J'essaie de vous préparer d'autres vidéos assez rapidement. Je vous dis à bientôt, je l'ai déjà dit. Prenez soin de vous, lisez quand vous le pouvez, regardez des séries aussi parce que c'est intéressant. À bientôt. Ciao, ciao.